Djirama, des grévistes convoqués à Fiadan. Cinq meneurs de grève de l'intersyndicale de la Djirama ont été convoqués par la brigade des recherches criminelles de Fiadan. Cette convocation s'inscrit dans le cadre de l'enquête relative à la découverte d'un détonateur dans l'enceinte de la direction générale de la Djirama à Ambouzatouv. Des employés grévistes de la Djirama se sont rendus à Fiadan par solidarité vis-à-vis de ses leaders de l'intersyndicale. Par ailleurs, ces employés réitèrent leurs revendications, notamment l'annulation du contrat signé entre l'État malgache et la société américaine Symbion Power, ainsi que la révision des contrats avec les autres sociétés privées, fournisseurs d'énergie de la Djirama. Suite à l'échec de la médiation entreprise auprès de l'inspection du travail, l'affaire est actuellement portée devant le conseil d'arbitrage qui devra trancher sur la poursuite ou non de la grève, a affirmé Ouras Gassien, ministre de l'énergie et des hydrocarbures. Ce ministre de souligner que la grève ne concerne plus qu'une partie du personnel de la Djirama. Les activités quotidiennes de cette société se poursuivent sans interruption depuis la semaine dernière, a-t-il conclu.